Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur le projet de loi 86, le projet que nous avons lu et relu pour vous et qu'on tentera après-midi de vous présenter le mieux possible. Nous avons constaté, un peu avec surprise, mais avec plaisir, le grand intérêt qu'a suscité notre invitation. Alors, vous êtes plus de 380 personnes à avoir signifié votre inscription. Alors, normalement, là, il y a des gens qui vont se connecter en cours de route. Alors, je me présente, je suis Pancrète Gagnon, la directrice générale de la Fédération des commissions scolaires, et je suis accompagnée d'Alain Guimond, secrétaire général et conseiller juridique à la Fédération des commissions scolaires. Alors, nous allons co-animer ce webinaire. Une équipe est ici avec nous, évidemment, pour nous appuyer au niveau technique. Vous comprenez que c'est une première pour nous avec un si grand nombre de participants. Pour moi, peu importe le nombre de participants, c'est une première. Alors, ils nous appuieront pour aussi relayer vos commentaires et vos questions. Alors, je vous explique brièvement le fonctionnement. Tout au long du webinaire, vous nous verrez sur votre écran, Monsieur Guimond et moi, en mortaise. Et vous verrez toujours la présentation PowerPoint que nous allons utiliser. Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez les signaler rapidement, à tout moment, par clavardage, via la fenêtre questions. Et la conseillère ici, la spécialiste Catherine Roy, fera plaisir d'essayer de vous aider. Vous pouvez également émettre des commentaires ou poser des questions sur le projet de loi. Toujours par clavardage, en utilisant la même fenêtre. Vos questions nous seront relayées par les membres de notre équipe et nous allons tenter en cours de présentation d'y répondre. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire sur les questions qu'on a déjà reçues. Et à la fin de la présentation, les questions, s'il nous reste du temps, les questions qui seront laissées sans réponse, on essaiera de faire le tour. Alors, l'enregistrement du web sera disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la FEDE. Quelques heures après notre présentation, et bien évidemment, la présentation PowerPoint vous sera transmise dans les prochains jours. Il est évident qu'on retrouvera quelques coquilles en cours de route, là, c'est toujours comme ça, et on vous la fera parvenir par la suite. Alors voilà, je commence la présentation et je vous signifie les objectifs. Alors, la présentation est d'une durée plus ou moins d'1 h 30, c'est-à-dire la présentation d'1 heure. On a prévu le webinaire 1 h 30. Ça peut dépasser un peu. On verra si vous avez des questions. Cette présentation a été bonifiée par rapport à celle que nous avons présentée quelques jours après la sortie du projet de loi le 10 décembre avec nos présidents et les directeurs généraux. Elle aborde principalement les dispositions du projet de loi par grands termes. Évidemment, on ne touche pas à tout, c'est impossible. C'est un projet de loi qui est très, très, très lourd. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Alors, c'est par grand thème, c'est le choix qu'on a fait. Elle est basée sur les articles du projet de loi, sur notre lecture et sur les échanges qu'on a eus avec plusieurs intervenants dans ce dossier depuis le début, avec des gens du ministère, etc. Écoutez, ça se peut, et il se peut que des gens j'allais dire dans la salle, un vieux réflexe, les gens sur le web, il peut y avoir des personnes qui sont en divergence d'opinion avec nous. S'il n'y a pas de problème, pour nous, c'est la lecture du projet de loi. On veut démarrer un échange, point, c'est tout. Et comme je disais tantôt, on va essayer de répondre à vos questions, et si ce n'était pas le cas à la fin, vous auriez toujours la possibilité de les acheminer. Alors, trois grands principes directeurs selon le ministre. Alors, oui, c'est beau. Alors, nous avons, lorsque le ministre a présenté ce projet de loi, il a donné trois grands principes directeurs. La première, assurer la réussite du plus grand nombre d'élèves. Le deuxième, mobiliser les principaux intervenants concernés par la réussite. Et mettre en place une gestion collaborative du réseau. Alors, tout le monde, on croyait vraiment y retrouver ces éléments-là. On verra qu'il y a des éléments qui sont plutôt absents. Alors, je continue. Le projet de loi, aussi, à l'occasion de la présentation des éléments d'information obtenus par le ministère, le ministère nous a dit, c'est toujours le cas,
comme notre loi est une loi assez lourde, on ne l'ouvre pas à toutes les sessions parlementaires, il va sans dire. Alors, le projet de loi, c'est une occasion pour régler certaines problématiques particulières, notamment sur les pratiques entourant les contributions financières des parents. Toute la question de la gratuité des services éducatifs, vous allez retrouver plus loin dans le projet de loi où on confie à un comité là, de faire un rapport là-dessus. Sur les plaintes à l'égard de la commission scolaire, alors vous allez voir qu'on a élargi le processus des articles pour la gestion des plaintes, de 9 à 12 là, de notre loi sur l'instruction publique. On l'élargit beaucoup. Sur la question des mesures de sécurité, l'exemple fouille à nu, et sur l'adéquation formation-emploi, on ira plus loin tantôt, mais c'est pour faire un arrimage avec le projet de loi 70 qui va être en commission parlementaire à partir du 27 janvier, presque en même temps que la commission parlementaire sur le projet de loi qui nous occupe après-midi. Alors voilà, on commence donc la présentation par le chapitre sur la gouvernance. Alors, je commencerai par le conseil scolaire. Alors, on est donc en présence d'un conseil scolaire composé de 16 membres, qu'on soit résident de la Gaspésie ou sur l'île de Montréal. La proposition, c'est 16 membres. 6 parents d'élèves, 6 personnes provenant de la communauté, un enseignant, un professionnel non enseignant, deux directions d'établissement. Je réponds ici tout de suite à deux questions des participants. Il y a deux personnes qui nous ont dit, est-ce qu'il y a la place pour des directeurs d'éducation des adultes ou des directeurs des centres de formation professionnelle? Bien sûr, on parle de directeurs d'établissement, donc qui seront, dans le fond, délégués, nommés par leur assemblée générale, par leur association. Donc, on pourrait retrouver dans certains conseils scolaires deux directions du primaire, ou dans d'autres deux directions de formation professionnelle. Ce sont les gens qui vont en décider. Et évidemment, le directeur général participe aux séances sans droit de vote. On arrive maintenant dans l'élection par groupe. Alors ici, c'est un peu compliqué, je vous dirais. Il faut relire et relire les articles du projet de loi pour bien saisir. Alors l'élection des parents d'abord. Un parent sera choisi parmi les parents d'élèves HDAA. Et 5 choisis par les parents d'élèves fréquentant les établissements scolaires. Pour être éligibles, les 5 parents doivent avoir été membres au moins d'un an au conseil d'établissement, d'un comité ou d'un conseil des commissaires. Alors, on veut une expérience là, pour le premier conseil scolaire. C'est le secrétaire général qui aura une tâche qui va s'alourdir et va s'en dire, là, qui sera responsable de ces élections-là. Alors, le secrétaire général permet aux personnes éligibles de poser leur candidature. Il remet la liste au président du comité de parents. Le président du comité de parents convoque les membres du comité de parents et les candidats en assemblée pour procéder à l'élection. Ils sont élus par vote secret. Toujours dans l'élection des parents, le comité de parents peut demander par ailleurs à la commission scolaire de diviser son territoire en 5 districts électoraux, auquel cas chaque district aura son représentant au conseil scolaire. Il va sans dire que nous allons probablement dire dans notre réponse à ce projet de loi-là, le comité de parents peut pas demander, mais que la commission scolaire doit diviser son territoire, parce que ça peut constituer au moins une meilleure représentativité là, des parents qui seront au conseil scolaire sur un grand, grand, grand territoire, parce qu'on a des grands territoires. La division du territoire est valide pour toute élection subséquente, à moins que le comité demande des modifications ou que le territoire ne soit plus divisé. Les districts doivent être délimités en considérant la localisation des établissements d'enseignement. D'autres critères peuvent être retenus par la commission scolaire. Donc, ça peut être intéressant de diviser le territoire par district électoraux. Élection des membres de la communauté. Alors, la première catégorie, ce sont les parents élus par le comité de parents, les districts électoraux, c'est réglé. On passe maintenant au deuxième groupe. Le secrétaire général de la commission scolaire consulte les parents d'élèves de moins de 18 ans et fréquentant un établissement de la commission scolaire afin de déterminer le mode d'élection. C'est ici qu'on commence à voir arriver là, une démocratie facultative, on va dire ça comme ça, ou différente d'un territoire à l'autre. Si le seuil de parents favorables déterminé par le gouvernement est atteint, il y a des élections au suffrage universel.
Alors ça, ici, il a circulé le pourcentage 15%. On a validé en direct avec le ministre là, récemment. Et le ministre a dit, par exemple, 15%. Les gens sont partis avec 15%, mais ce n'est pas écrit dans la loi. Ça devra être déterminé par voie de règlement. Alors, si on dit donc, si il y a 15% des parents concernés qui sont intéressés à voir arriver une élection, il y aura donc une élection par suffrage universel. Ce qui veut donc dire que sur certains territoires, il y aura élection, à d'autres moments, il y aura des nominations. Le gouvernement détermine les modalités d'élection. Les candidats doivent être domiciliés sur le territoire de la commission scolaire, dans ce cas-ci. Si le seuil n'est pas atteint, alors, on fait un sondage au niveau des parents, il y a 4%, 6% des parents qui disent on veut une élection, c'est pas suffisant. Alors, le secrétaire général doit donc permettre aux personnes éligibles de poser leur candidature. Il remet au président du comité de parents la liste des candidats. Ceux-ci sont élus par le comité de parents. Alors, deuxième façon d'élire les comités, les représentants de la communauté. Mais selon quatre groupes des milieux, culture, communication, municipal, employeur, sport et santé. Donc, l'organisme dont ils sont issus, c'est très important de bien lire ce bout-là, doit desservir le territoire de la commission scolaire, mais non pas à y être domicilié. Alors, ça peut être un organisme régional qui dessert. Maintenant, les établissements de la santé, on sait qu'ils sont très, très, très gros. Ils desservent des gros territoires. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui vient d'un territoire qui n'est pas celui de la commission scolaire. Il n'y a pas besoin, c'est-à-dire, il dessert la commission scolaire, mais la personne n'a pas à y être domiciliée. Les deux autres représentants de la communauté, parce qu'ils sont six, eux doivent l'être. Ils doivent vivre sur le territoire. Pour les postes de la communauté devant provenir d'un milieu spécifique, les quatre milieux dont on faisait mention, si l'un des milieux n'a pas de candidature valide, le candidat ayant terminé deuxième dans l'un ou l'autre des milieux est considéré élu pour ce poste. L'autre catégorie maintenant, le personnel de la commission scolaire. Alors ça, on comprend bien que c'est une nouveauté dans la loi sur l'institution publique jusqu'à maintenant. Le personnel de la commission scolaire n'avait pas la qualité pour siéger au conseil des commissaires. Maintenant, on dit qu'il peut avoir du personnel. Le secrétaire général, donc, permet aux personnes éligibles de poser leur candidature. Le représentant des enseignants, le représentant du personnel professionnel non enseignant et les deux représentants des directions d'établissement sont élus en assemblée, convoqués par le secrétaire général, chacun par les membres de leur catégorie respective. Alors, tout le monde a bien remarqué là qu'il n'y a pas de cadre scolaire, il n'y a pas de personnel de soutien pour le moment. Aucune rémunération, sauf dans les cas déterminés par le gouvernement. Alors, ici, là, c'est vraiment très, très précis. Ce n'est pas considéré, des jetons de présence ne sont pas considérés comme une rémunération. La loi dit des jetons de présence ou et des frais de déplacement. Ils ont droit à une allocation de présence et au remboursement de leurs dépenses aux conditions déterminées par le gouvernement. Ce sera toujours des règlements qui vont arriver pour préciser cette loi-là. Le mandat de tous ces gens-là sera de 3 ans. Une personne cesse d'être membre lorsqu'elle perd la qualité à sa nomination ou à son élection, sauf pour les parents qui peuvent terminer leur mandat. Alors, si un enseignant, ce que ça veut dire, si un enseignant n'est plus enseignant, alors il va perdre sa qualité, mais les parents peuvent finir leur mandat. Le mandat d'une personne qui fait défaut d'assister à 3 séances, alors ici, à moins que le conseil accorde un délai, on a vraiment précisé 3 séances si on ne veut pas perdre la qualité de siéger. Il n'y a plus de description du rôle du président. Alors ça, c'est un peu surprenant. L'article 155 prévoit dorénavant les critères pour choisir le président et le vice-président et la durée de leur mandat uniquement. On avait débattu très fort en 2008 lors du forum avec Mme Courchesne un rôle précis de porte-parole officielle du président de la commission scolaire et responsable du bon fonctionnement et voix au bon fonctionnement de la commission scolaire. Alors, c'est complètement disparu. On verra plus loin là, que ça revient dans d'autres catégories. Le quorum est formé de la majorité des membres, mais aussi une majorité, un peu comme les conseils d'établissement, là, des membres parents et ceux représentants de la communauté. Les séances du conseil scolaire sont publiques.
Et il y a maintenant une délégation de pouvoir qui est précisée dans la loi. Le conseil scolaire peut dorénavant déléguer certaines fonctions, certains pouvoirs à la fois au conseil d'établissement et ou, hein, il peut le faire pour les deux, au comité de répartition des ressources. Tel comité est un nouveau comité dont on fera mention tantôt, on expliquera le fonctionnement. Un membre du conseil scolaire ne peut siéger à un autre conseil scolaire, bon, d'une autre commission scolaire, ou à un comité de la commission scolaire, sauf dans des cas précis où c'est dans la loi, où il était, exemple, on l'a mis en abrégé, là, en acronyme, CCTS, là, c'est le comité consultatif du transport scolaire. Dans le fond, dans la loi, on dit que le comité consultatif du transport scolaire, il y a deux commissaires qui font partie du comité. Et on n'a pas abrogé cet article-là. Donc, en principe, c'est une exception. La même chose pour le directeur d'école, ben, il va être toujours au conseil d'établissement, il va s'en tenir. Le président est choisi parmi les représentants des parents ou de la communauté. Et si le président est un parent, ben, le vice-président va devenir automatiquement représentant de la communauté. Dans le fonctionnement toujours, hein, on aurait dû dire dès le début, ce qu'on vous présente, ce sont les modifications, les choses qui sont maintenues, on n'ira pas plus loin, mais il y a un maintien d'un code d'éthique pour les membres du conseil scolaire. Il y a un maintien aussi de l'obligation de déclarer tout conflit d'intérêts, de se retirer pendant les discussions. La dernière partie est quand même importante parce que là, on a une présence de personnel, de personnes qui sont des employés de la commission scolaire. Alors, les membres du conseil scolaire qui sont membres du personnel doivent s'abstenir de voter pour les questions d'embauche, de lien d'emploi, de rémunération, d'avantages sociaux et d'autres conditions de travail. Vous comprenez, quand on est dans un conseil des commissaires ou un cadre qui siège au conseil des commissaires, quand on connaît ce que ça fait un conseil des commissaires, il y a beaucoup de sujets qui, bon an, mal an, traitent du personnel. Alors, on dit ce personnel-là peut s'exprimer sur le sujet, mais doivent se retirer pour la durée des délibérations. De notre côté, on pense que des délibérations et du vote, là, on aurait dû ajouter probablement et du vote. Alors nous, on pense que, il va y avoir des règles de régie interne qui vont se donner pour bien définir ce dont il est question quand on dit ils peuvent s'exprimer. Est-ce qu'ils peuvent échanger, s'exprimer et s'obstiner avec en prévision d'une décision où ils donnent leur point de vue et se retirent. Alors voilà, je cède maintenant la parole à Alain Guimond pour la transition du conseil scolaire. Merci. Alors, pour terminer sur le conseil provisoire, vous aurez compris que le mandat des commissaires élus sera révoqué à compter du 15e jour suivant la sanction du projet de loi. Cependant, les commissaires parents qui sont sur le conseil des commissaires verront leur mandat, si vous me permettez l'expression, continuer au sein du conseil scolaire provisoire et pourront continuer de siéger sur le conseil d'établissement et sur le comité de parents. Et ce, jusqu'au 31 octobre 2016, c'est donc dire au moment où le premier conseil scolaire entrera en fonction. Le conseil des commissaires ne peut modifier à la hausse la rémunération des commissaires depuis le dépôt du projet de loi, soit le 4 décembre 2015. À défaut, la hausse devra être remboursée par les commissaires ou recouvrée par la commission scolaire. Commentaire. La rémunération actuellement versée aux commissaires, élus ou parents, sera versée jusqu'au 15e jour suivant la sanction du projet de loi et par la suite, lors de l'entrée en vigueur du conseil scolaire provisoire, pour que la rémunération puisse être versée, le gouvernement devra avoir adopté un règlement. Alors, semble-t-il que les règlements sont en rédaction, mais il devra y avoir un règlement pour qu'une rémunération soit donc versée aux membres du conseil scolaire provisoire ou encore sous forme de jetons de présence. Le mandat du nouveau conseil scolaire, donc, débute le 1er novembre 2016 et le mandat de ses membres sera d'une durée de 3 ans. Poursuivons maintenant au niveau du conseil scolaire provisoire. Entre la fin du mandat des commissaires, donc le 15e jour suivant la sanction du projet de loi, et l'entrée en fonction du premier conseil scolaire, le 1er novembre 2016, la commission scolaire sera administrée par un conseil scolaire provisoire, composé de commissaires parents, c'est-à-dire 3 ou 4 commissaires parents, selon le nombre de commissaires actuellement en poste au sein des conseils des commissaires. En plus du président du comité de parents, s'ajoutent deux directions d'établissement, comme le disait Mme Gagnon,
On parle de direction d'établissement, donc école ou centre, ainsi que le directeur général sans droit de vote. Alors, vous voyez ici qu'au niveau du conseil scolaire provisoire, le directeur général fait partie, il est membre du conseil général, du conseil scolaire provisoire, sans droit de vote cependant. Puisqu'il est membre, il pourrait, sa présence ou son absence pourrait avoir un impact sur le quorum. Le DG peut désigner une personne pour le suppléer, donc le remplacer au sein du conseil scolaire provisoire. Le directeur général n'ayant pas droit de vote, vous comprendrez qu'il ne pourra assumer la présidence du conseil scolaire provisoire puisque le président du conseil scolaire provisoire aura un vote prépondérant. Page suivante, le conseil scolaire provisoire a pour mandat d'assurer le bon fonctionnement de la commission scolaire jusqu'à l'entrée en fonction du premier conseil scolaire. Commentaire, actuellement, vous savez que c'est le président qui assure le bon fonctionnement de la commission scolaire, et c'est précisé dans la loi, dans le respect des responsabilités de chacun, particulièrement celles du directeur général, qui assume l'autorité auprès du personnel de la commission scolaire. Ça veut donc dire que le président actuellement, qui veut assumer son rôle d'assurer le bon fonctionnement, doit s'adresser au directeur général s'il a des questions au niveau du budget, de l'application des politiques, au niveau du respect des décisions prises par le conseil des commissaires. Donc, le président actuellement assure le bon fonctionnement dans le respect des responsabilités assumées par le directeur général. Pendant la période provisoire, le conseil provisoire va assurer le bon fonctionnement de la commission scolaire. Ce n'est pas clair dans le projet de loi, mais je suis d'avis qu'il devra exercer sa responsabilité, le conseil provisoire, dans le respect des responsabilités qu'assume le directeur général. Par la suite, à compter du 1er novembre 2016, c'est le directeur général qui assumera qui devra assurer le bon fonctionnement de la commission scolaire. Finalement, le conseil scolaire provisoire assume toutes les responsabilités du conseil scolaire, donc pourra procéder à des délégations de pouvoir. Page suivante, conseil scolaire provisoire toujours. Le projet de loi confie un pouvoir particulier au conseil scolaire provisoire. Le conseil scolaire provisoire devra le faire dans les 30 jours de son entrée en fonction, réévaluer la décision prise par le conseil des commissaires de congédier ou de résilier le mandat du directeur général. Le projet de loi prévoit qu'un tel congédiement ou une telle résiliation est présumé être une suspension avec traitement. Donc, le conseil scolaire provisoire devra évaluer cette décision prise par le conseil des commissaires. Le conseil scolaire provisoire devra également recouvrer d'un commissaire toute rémunération additionnelle, indemnité, prime ou autre avantage versée par le conseil des commissaires. Nous l'avons mentionné précédemment, mais je vous rappelle, les parents qui siègent au conseil scolaire provisoire ne pourront recevoir de rémunération que si le gouvernement adopte un règlement en ce sens. Le conseil scolaire provisoire peut résilier un contrat conclu par la commission scolaire, un contrat conclu entre le 4 décembre 2015 et le 15e jour suivant la sanction du projet de loi, si les conditions du contrat sont déraisonnables et ce, sans indemnité pour la perte de profit. Bon. Première remarque, on parle d'une résiliation de contrat qui n'aura d'effet que pour le futur. Alors, si le co-contractant a rendu des services, il sera payé, indemnisé pour les services rendus à la date de résiliation. De quel contrat parle-t-on? Puisqu'on parle de perte de profit, il m'apparaît qu'il s'agit de contrat de service ou de contrat d'acquisition et non pas de contrat de travail en soi. Concernant les conditions déraisonnables, écoutez, le projet de loi ne précise pas. Il reviendra au conseil scolaire de déterminer ce qui est raisonnable ou déraisonnable. Il pourrait s'agir de prix ou encore d'avantages particuliers consentis en vertu du contrat. Conseil scolaire provisoire toujours. Ici, ce n'est pas un pouvoir qu'on accorde au conseil scolaire provisoire, mais davantage une contrainte. C'est-à-dire que le premier conseil scolaire qui entrera en fonction le 1er novembre 2016 pourra modifier le budget adopté par le conseil scolaire provisoire pour l'année 16-17 sous réserve du taux de taxe. Les conditions et les modalités prévues à la loi pour l'adoption d'un budget déficitaire
devront être respectées. Ici, on parle de l'autorisation ministérielle. Petit commentaire, si le conseil scolaire apporte une modification au budget adopté par le conseil scolaire provisoire, ça n'aura pas d'impact sur les contrats, par contre, que le conseil provisoire aura accordés. Le conseil scolaire devra couvrir d'un commissaire toute rémunération additionnelle, indemnité, prime. C'est une répétition, mais c'est important de le mentionner ici. Supposons que le conseil scolaire provisoire, en l'absence d'un règlement gouvernemental, décide de verser une rémunération aux membres du conseil scolaire provisoire. Ben, ici, le conseil scolaire qui le remplace aurait révisé cette décision prise par le conseil scolaire provisoire. Maintenant, la mission de la commission scolaire. Peut-être avant, parce que je reçois aussi des questions. À chaque fois qu'il y aura une question qui sera dans un chapitre qu'on vient de traiter, on essaiera d'y répondre. Soyez assurés que les autres, on attend et on va y répondre au fur et à mesure. Il y a un participant qui demande, les membres du conseil scolaire qui sont employés peuvent-ils voter sur la répartition de la clientèle, par exemple, ou une délégation de pouvoir ça concernerait les employés. Quand on retourne à l'article de la loi, on dit que les membres du conseil qui sont membres du personnel doivent s'abstenir de voter sur des questions d'embauche, de lien d'emploi, de rémunération, d'avantages sociaux et d'autres conditions de travail. À ça, alors, dans le fond, je nous pose la question, mais rapidement, c'est pas notamment. Hein, rapidement, on dit sur quoi. Première chose, souvent dans la loi, on voit notamment, mais là, il n'y a pas d'ouverture. On ferme ça rapidement. Si la répartition de la clientèle a pour effet de déplacer des enseignants d'une école à l'autre, moi, je pense que les enseignants qui sont au conseil scolaire devraient se retirer parce que c'est en lien avec leurs conditions de travail. Ou si, dans la délégation de pouvoir, pour répondre à la question du participant ou de la participante, ça touche une tâche supplémentaire à un employé. On délègue, par exemple, vers les directions d'école énormément de tâches, puis les directions d'école sont surchargées, sont plus d'accord. Alors, travailler là-dessus, les directions d'établissement devraient se retirer. Oui. Alors, on est d'accord, ça va bien. On est d'accord sur l'interprétation. C'est tout pour cette partie. Allons-y pour la mission. Alors, concernant la mission de la commission scolaire, premier énoncé, la commission scolaire a pour mission, en respectant le principe de subsidiarité et dans une perspective de soutien envers les établissements d'enseignement dans l'exercice de leurs responsabilités de promouvoir, etc. Il y a deux mots importants dans cet énoncé, la subsidiarité et le soutien. La subsidiarité, chacun a fait sa lecture, a tenté de comprendre le sens à donner au mot. Personnellement, j'en déduis qu'il s'agit d'un principe de management qui a été développé dans l'entreprise privée. Et le sens, c'est que le pouvoir décisionnel devrait être exercé le plus près possible de l'action. Bon. Dans un contexte scolaire, on comprend que l'action se déroule oui, dans les établissements, mais également ailleurs, particulièrement au niveau des services. Ici, le conseil scolaire, lorsqu'il appliquera le principe de la subsidiarité, il devra l'exercer dans une perspective de soutien, comme le mentionne l'énoncé. Ça n'obligera pas nécessairement le conseil scolaire à déléguer des responsabilités vers les établissements. L'important, c'est d'être en soutien aux établissements. Prenons un exemple pour bien se comprendre, le transport scolaire. Alors, très souvent, la commission scolaire, les établissements doivent conclure des contrats de transport ponctuels, particulièrement pour les activités pédagogiques. Alors, la commission scolaire, après analyse, en appliquant le principe de subsidiarité et afin de soutenir les établissements, pourrait décider de confier cette responsabilité aux responsables du transport scolaire. Alors, l'objectif étant d'être en soutien, aucune obligation, de par le texte du projet de loi, de déléguer quelque pouvoir que ce soit aux directions d'établissement, bien qu'il s'agisse naturellement d'une intention, très claire du projet de loi. Décentralisé. Effectivement. Elle a également pour mission de veiller à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, la commission scolaire. Bon, c'est nouveau dans le projet de loi, mais comme avocat, je peux vous dire que c'est pas, en termes juridiques, nouveau. Pourquoi? Parce que, comme une personne physique, une personne morale doit agir comme le ferait un bon père de famille, donc la commission scolaire doit gérer les ressources de la commission scolaire
comme le ferait un bon père de famille, d'autant plus que l'article 177.1 de la loi actuelle dit que les membres du conseil doivent agir dans l'intérêt des élèves, des parents, de la communauté et de la commission scolaire. Alors, les règles juridiques actuelles permettent d'arriver aux mêmes fins. Cependant, le législateur a cru nécessaire de l'indiquer, de le préciser dans la loi. Au niveau des changements... On continue. Alors, nous allons maintenant au niveau des changements au comité existant de la commission scolaire. Alors, on le sait, on a un comité consultatif de gestion. Le comité consultatif de gestion devient le comité conjoint de gestion. C'est toujours un CCG, mais c'est comité conjoint de gestion. Alors, ce qui nous, tous les rôles, les responsabilités, les fonctions de ce comité que le CCG avait demeurent, mais on lui ajoute des responsabilités. Alors, le comité doit faire un rapport annuel au conseil scolaire sur les pratiques des conseils d'établissement relatives aux contributions financières assumées pour le matériel scolaire périssable et pour les services d'enseignement fournis en dehors des périodes d'enseignement et des jours de classe. Au début de la présentation, je vous parlais que le ministre voulait corriger des éléments dont la contribution inégale, je dirais ça comme ça, des parents pour les services éducatifs. Alors, c'est ici qu'il le prend, là, sa prise dans la loi est ici. Alors, c'est le comité conjoint de gestion qui aura la responsabilité de colliger cette information qui va provenir des conseils scolaires, des conseils d'établissement et de faire rapport aux conseils scolaires. Les conseils d'établissement doivent fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à l'exercice de cette fonction. Alors, c'est inscrit dans la loi. Alors, normalement, là, c'est une obligation annuelle. Maintenant, le comité EHDAA, demeure dans la loi. Une fonction est ajoutée. Le comité EHDAA devra maintenant donner son avis à la commission scolaire sur son plan d'engagement vers la réussite. C'est la première fois qu'on voit cette notion-là ici. On la verra un peu plus tard. Alors, on sait que le plan stratégique et la convention de partenariat est transformée en un seul outil, le plan d'engagement vers la réussite. Et ce qu'on dit ici, c'est le comité IHDA pourra donner son avis sur cette question. Le comité de parents maintenant. Le comité de parents demeure avec les fonctions qu'il avait aussi, plus est consulté sur le règlement de la commission scolaire relatif à la procédure d'examen des plaintes formulées par un élève, un enfant scolarisé à la maison ou un parent de celui-ci au regard des services que leur rend la commission scolaire en application de la présente loi. Tantôt, on disait aussi dans les préalables que le ministre voulait corriger cet aspect-là, toute la procédure d'examen des plaintes. Alors, pour ce faire, il a élargi d'une façon importante le processus pour les plaintes en vertu du 9 à 12, hein, l'examen des plaintes. Alors, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas juste sur un service direct à un élève, ça peut être sur l'organisation scolaire, l'organisation du transport scolaire, etc. Ce qu'il n'a pas fait par ailleurs, il n'a absolument pas changé la fonction du protecteur de l'élève. Alors, la fonction du protecteur de l'élève demeure relative à une plainte qui touche à un élève. C'est inchangé. Alors, le comité de parents peut faire des recommandations à la commission scolaire sur tout sujet à propos desquels il doit être consulté et au sujet. Hein, ils ont nommé, là, c'est le législateur, on dit quand il nomme, c'est qu'il veut que ça se fasse. Alors, au sujet des services de garde. Alors là, on a maintenant le comité de parents qui peut prendre vraiment, qui peut donner, faire des recommandations au conseil scolaire. Il peut renoncer, le comité de parents, à être consulté sur une question ou sur plusieurs questions et doit en informer par écrit le conseil scolaire, c'est très clair. Il peut aussi, le comité de parents ayant changé, il peut changer d'idée et revenir avec un autre écrit en disant « maintenant, on veut être consulté sur toutes les questions soumises ». Les comités obligatoires maintenant, ils sont maintenus, les trois comités obligatoires demeurent, ce sont les trois mêmes, les comités qui sont apparus là après les modifications en 2008. Ils ont maintenant tous l'obligation de s'adjoindre un expert dans leur champ d'activité et cet expert-là ne peut pas être un employé de la commission scolaire. Ici, on va répondre à une question d'un participant ou d'une participante tantôt aux ressources humaines.
Ici, le nouveau rôle du comité de gouvernance et d'éthique doit assister les membres du conseil scolaire pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie, et il doit effectuer un suivi. Alors, c'est le comité de gouvernance qui doit assurer un suivi au plan d'engagement vers la réussite. La fonction du comité de vérification demeure inchangée, à la nuance près qu'il doit s'adjoindre un expert qui n'est pas de la commission scolaire. Et le troisième comité, le comité des ressources humaines. Alors, son nouveau rôle, lui, il a changé beaucoup. Alors, le comité des ressources humaines assiste les membres du conseil scolaire dans l'élaboration d'un profil de compétences et d'expériences pour les directions d'école, de centre, du directeur d'école et du directeur général adjoint. Il assiste le conseil scolaire dans l'ajout d'éléments à tout profil déterminé par le ministre. On aura tantôt un chapitre juste pour le ministre, mais celui-là, on l'a inscrit ici parce qu'on voulait vraiment le mettre en évidence, afin de tenir compte des enjeux particuliers auxquels la commission scolaire fait face. Ici, j'ai deux participants qui vont avoir une réponse, en fait, notre interprétation. Une première participante disait, est-ce que, en s'adjoignant, est-ce que la personne qu'on va chercher devient un membre du comité? Notre interprétation est à l'effet que non, parce que le comité est formé, est déterminé par le conseil scolaire. Ensuite, ce comité-là, une fois formé, il s'adjoint une personne, donc c'est pas un membre. Et n'étant pas un membre, il ne peut pas être un employé de la commission scolaire. Mais il n'y a rien, à mon avis, à mon humble avis, qui empêche qu'il y ait des experts de la commission scolaire qui accompagnent le comité, qui s'ajoutent à l'autre expert. Enfin, on verra dans la pratique. La deuxième chose, il y a un participant ou une participante qui dit, peut-on garantir que le ministre ne peut intervenir dans la gestion des DG et des directions d'école? Ma réponse est non. Maître Guimond, c'est la même réponse. On va le voir plus loin, mais en plus, comme vous voyez ici, là, que le ministre peut ajouter des éléments au profil des directions d'établissement, des DG, c'est que le ministre là, s'ingère vraiment dans la gestion là, des directeurs d'école et des directions générales. Il assiste toujours le conseil scolaire dans l'établissement des critères de sélection de ces personnes. Et ce qui est très nouveau, il procède à l'évaluation du directeur général de la commission scolaire. Donc, puisqu'il y a des employés, c'est ce qu'on déduit, puisqu'il y a des employés au conseil scolaire, alors on a confié au comité des ressources humaines, puisqu'il ne peut pas y avoir d'employés, d'évaluer le directeur général. Le conseil scolaire peut instituer d'autres comités, il peut le faire à sa guise, à l'exception du comité exécutif. Alors, le comité exécutif n'existe plus et il ne peut pas être ajouté. Maintenant, le nouveau comité, le comité de la répartition des ressources, c'est un comité, je dirais, très, très, très important. C'est un comité qui est institué sous la direction du directeur général. Il est formé en majorité des directions d'école, des directeurs d'école et de centre, choisis par leur pair. Alors, on dit en majorité et on dit, la seule autre personne qu'on nomme à part le DG, le responsable des services éducatifs aux élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage doit être membre de ce comité. Alors, on va l'interpréter à l'usage, mais il n'y a rien qui dit là-dedans que d'autres cadres ne peuvent pas y être. Qu'est-ce qui fait ce comité-là? Le comité doit mettre en place un processus de concertation. C'est quoi ce processus de concertation-là? Il n'est pas précisé dans le projet de loi. On peut penser que c'est le comité lui-même qui va créer son processus de consultation, de concertation. Comment ils vont se concerter? Comment ils vont consulter? Alors, en vue d'établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus conformément à l'article 275, de déterminer cette répartition conformément à l'article 275.1, de déterminer la répartition des services éducatifs complémentaires conformément à 261 et de déterminer la répartition d'autres services professionnels en ceux des services éducatifs complémentaires. Alors ici, là, c'est majeur. Un petit éditorial, là, vraiment, c'est une opinion. Moi, je pense que c'est là qu'on voit l'intention du législateur de procéder à une décentralisation. C'est via cet article-là, parce qu'ils seront majoritairement de direction d'établissement et ils peuvent intervenir sur plusieurs questions. Je continue.
La commission scolaire et les établissements doivent fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire. À l'issue de cette concertation, alors tout le processus, admettons, est terminé, une recommandation doit être faite par le comité au conseil scolaire. La recommandation porte sur les objectifs et les principes de répartition des revenus, la répartition annuelle des revenus, la répartition des services éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, le cas échéant. On continue. Le comité doit annuellement faire une recommandation au conseil scolaire quant à l'affectation des surplus des établissements d'enseignement de la commission scolaire, conformément à l'article 96.24. Alors ici, c'est très, très important. La commission scolaire peut, pour l'exercice financier suivant, porter au crédit de l'école ou au crédit d'un autre établissement les surplus, tout ou en partie. Ce que ça veut dire, c'est si le comité de répartition a fait la recommandation. Ce que ça veut dire, en d'autres termes, c'est le comité de répartition peut faire le constat qu'il y a un gros, gros, gros surplus dans un établissement X. Par exemple, dans une école primaire, je vais prendre un exemple qui s'applique à peu près jamais, mais il y a un gros, gros surplus dans une école primaire et le comité dit, ben, compte tenu de la richesse de cette école-là, nous, on recommande que le surplus soit réparti entre d'autres écoles qui sont dans un milieu plus pauvre, etc. Ça pourrait aller jusque-là. Si le conseil scolaire ne donne pas suite à la recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où il a rejeté la recommandation du comité. Alors, c'est énorme, c'est un comité qu'on verra grandir dans l'avenir, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Toujours au niveau de la gouvernance, mais cette fois-ci au niveau de l'école et plus particulièrement au niveau du conseil d'établissement. Alors, les membres de la communauté auront maintenant le droit de vote au conseil d'établissement. Trois commentaires en lien avec la parité, le quorum et la majorité. Au niveau du quorum, rien ne change car il y a toujours une parité au niveau des parents et du personnel impliqué au CE. Donc, l'attribution d'un droit de vote aux membres de la communauté n'a aucun impact au niveau du quorum. Au niveau de la majorité, là, ça change. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises à la majorité des membres ayant le droit de vote. Ça veut dire, auparavant, actuellement, s'il y a égalité entre le vote des parents et le vote du personnel, le président qui est parent peut exercer un vote prépondérant en accordant un droit de vote aux membres, aux représentants de la communauté, on s'aperçoit que la force du vote prépondérant du président est diminuée d'autant. Donc, en accordant un droit de vote aux membres de la communauté, on vient changer, un temps soit peu, la donne. Un substitut peut être nommé ou élu pour siéger et voter à la place d'un membre lorsque celui-ci s'absente. C'est une nouveauté. Et on s'ajuste donc à la possibilité d'un substitut au niveau du comité de parents. Un membre du conseil scolaire peut participer aux séances d'un conseil d'établissement s'il y est invité par ce dernier. Alors, on revient au régime d'avant 2008 on mettrait donc fin au régime du mandat. Vous savez qu'à l'heure actuelle, un commissaire peut participer aux séances d'un conseil d'établissement s'il a un mandat du conseil des commissaires. Donc, on revient au régime d'avant 2008. Le conseil d'établissement adopte maintenant la plupart des propositions du directeur d'école plutôt que de les approuver, à l'exception notamment du temps alloué aux matières. J'en ajouterai trois autres. Alors, la mise en œuvre des services complémentaires et particuliers, l'utilisation des locaux de l'école, de même que l'organisation par la commission scolaire dans les locaux de l'école de services à des fins culturelles, sportives ou sociales. Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire sur la prestation de travail du directeur d'école aux fins de son évaluation annuelle. Bon, de quelle prestation de travail parle-t-on? Alors, doit-on l'interpréter restrictivement ou largement à cette prestation? Personnellement, je pense qu'on devrait l'interpréter restrictivement et cette prestation ne devrait viser que
que les responsabilités du directeur d'école dans la gestion du conseil d'établissement. On sait qu'il doit assister le conseil d'établissement dans l'exécution de ses responsabilités. Alors, c'est dans ces rapports-là seulement, je pense, que le conseil d'établissement peut juger de la prestation du directeur d'école auprès de la commission scolaire. Alors, autrement dit, si le directeur d'école a des problématiques dans ses relations avec les élèves, les parents ou le personnel, ce n'est pas au conseil d'établissement d'en juger et d'en faire rapport au conseil scolaire. L'évaluation, la loi sur l'instruction publique n'en parle pas en soi. Il faut référer au règlement sur les conditions d'emploi des cadres, qui dit que la commission scolaire doit mettre en place un système d'évaluation des cadres. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est que cette évaluation est annuelle. Donc, le système mis en place par la commission scolaire devra prévoir, je pense, que cette évaluation devra être sur une base annuelle. Le conseil d'établissement est consulté sur l'ajout d'éléments au profil de compétences et d'expérience pour la nomination du directeur. Alors, actuellement, le conseil d'établissement est consulté sur les critères de sélection. Il le sera également sur le profil de compétences. Le directeur d'école doit déposer aux séances d'un conseil d'établissement, du conseil d'établissement, tout document provenant de la commission scolaire à l'intention du conseil. Alors, ce dépôt se fera dans le respect des règles de régie interne. Je parle particulièrement du délai. À défaut de règles de régie interne ou à défaut de précision dans les règles de régie interne, le directeur d'école devra respecter le délai de 5 jours prévu dans le projet de loi. Maintenant, au niveau des fonctions et pouvoirs de l'école. Alors, ajout à la mission actuelle de l'école. La mission de l'école demeure toujours la même. Alors, il s'agit d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. À cette mission, on précise par le biais du projet de loi le rôle qu'elle assume l'école, c'est-à-dire que son rôle est central dans le cheminement des élèves. Elle doit notamment viser la persévérance et la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves. La mission de l'école, qui est d'instruire, de qualifier et de socialiser, va se réaliser dans le cadre d'un projet éducatif. Le projet éducatif comporte maintenant différents éléments. Le contexte de l'école, les orientations et les objectifs retenus, les résultats visés, les moyens retenus, les indicateurs utilisés, la périodicité de l'évaluation, collaboration de la commission scolaire. Alors, c'est un peu complexe, mais le commentaire que je ferais, c'est de dire ceci. Les différents éléments du projet éducatif prévu dans le projet de loi comportent ceux prévus actuellement dans le projet éducatif, auxquels on ajoute ceux qui sont prévus dans le plan de réussite et ceux qui sont prévus dans la convention de gestion et de réussite éducative qui n'existera plus à compter du 1er novembre 2017. Alors, je continue. Le conseil d'établissement peut décréter le huis clos sur recommandation du directeur d'école. La possibilité d'un huis clos existe toujours. Cependant, maintenant, ce serait sur la recommandation du directeur d'école. Alors, quelles sont les situations où un conseil d'établissement peut débattre d'un dossier pouvant porter préjudice à une personne? On peut s'interroger longtemps, mais toujours est-il que dorénavant, le huis clos, ce sera sur recommandation du directeur d'école. Le conseil d'établissement analyse la situation d'école avec l'assistance du directeur d'école. Écoutez, bon, c'est l'assistance du directeur, c'est nouveau, mais l'analyse de la situation d'école, selon moi, se fait toujours en collaboration avec le directeur de l'école, puisque c'est prévu déjà à l'article 96.13 de la LIP actuelle. Toujours au niveau des fonctions et pouvoirs de l'école, les parents du conseil d'établissement, avec l'aide du directeur d'école, peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet lié au service éducatif. Ce qui est nouveau aussi, c'est la mention « avec l'aide du directeur d'école ». Ce serait nouveau dans la loi, mais actuellement, je suis d'avis que le directeur a la même responsabilité puisqu'il doit assister le conseil d'établissement dans l'exercice de ses responsabilités. Le directeur d'école coordonne l'élaboration, la réalisation et l'évaluation du projet éducatif de l'école et le transmet à la commission scolaire qui le rend public. Bon. À l'heure actuelle, c'est le conseil d'établissement qui rend public le projet éducatif.
Ce qui est proposé dans le projet de loi, c'est que ce soit la commission scolaire qui rende public le projet éducatif. La seule responsabilité du conseil d'établissement serait de communiquer aux parents et au personnel le projet éducatif de l'école. Le directeur doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure d'examen des plaintes de la commission scolaire en cas d'insatisfaction du parent ou de l'élève. C'est en lien direct avec l'établissement d'un plan d'intervention pour un élève. Donc, dorénavant, le plan d'intervention de l'élève devra contenir cette mention. Les surplus de l'école à la fin de l'exercice financier deviennent ceux de la commission scolaire et celle-ci peut porter au crédit de l'école. J'en dirai pas plus. Madame Gagnon a déjà abordé ce sujet-là précédemment. Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes. Une nouveauté. Les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes devront dorénavant avoir un projet éducatif. Bon, quant à son contenu, il est essentiellement le même que celui des écoles et devra tenir compte naturellement du plan, du nouveau plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire. Les centres de formation professionnelle devront favoriser la participation. Actuellement, on dit dans la loi que les centres de formation professionnelle doivent, dans l'élaboration de leur plan, des objectifs et des principes à l'heure actuelle, doivent favoriser la participation de la communauté. Alors, ce qui est nouveau dans le projet de loi, c'est que l'élaboration du projet éducatif devra se favoriser la participation non seulement de la communauté, mais particulièrement des employeurs. Alors, pourquoi la participation des employeurs? Parce que les centres de formation professionnelle, le dernier énoncé de la page, doivent contribuer au développement économique national par l'adéquation entre la formation offerte et les besoins régionaux ou nationaux de main-d'œuvre. Alors, ça fait partie de la mission, ça fera partie dorénavant de la mission des centres de FP de contribuer au développement économique national par l'adéquation entre la formation et la main-d'œuvre. Et ça, pourquoi retrouve-t-on ces notions-là dorénavant? Retrouveront-on ces notions dans la loi? C'est que ça découle du projet de loi 70, qui est actuellement, comme le mentionnait Mme Gagnon, actuellement devant en commission parlementaire. Alors, c'est la loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Et ce projet de loi vise la mise en place de plans d'action régionaux qui seront soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail et approuvés par le ministre de l'Emploi. Page suivante, le conseil d'établissement du centre donne son avis à la commission scolaire sur la prestation de travail du directeur. Alors, on a vu la même chose tantôt au niveau des écoles et ça démontre une tendance qui nous apparaît lourde, à l'effet d'assujettir les conseils, les centres de formation professionnelle et d'adultes aux mêmes règles applicables aux écoles. Le conseil d'établissement consulté sur l'ajout d'éléments au profil de compétences, nous l'avons vu au niveau des écoles. Le conseil d'établissement adopte plutôt qu'approuve les propositions du directeur sur les sujets suivants. Bon, il y en a quatre. La question que je me pose, c'est que la mise en œuvre des services éducatifs complémentaires qui seront adoptés par le conseil d'établissement d'un centre dorénavant, c'est vrai, mais plutôt, alors qu'au niveau de l'école, la mise en œuvre des services éducatifs complémentaires continuera d'être approuvée par le conseil d'établissement. Alors, au niveau des écoles, c'est approbation, alors qu'au niveau des centres, c'est adoption. Et mon interprétation découle des articles 20 et 34 du projet de loi, pour ceux qui veulent aller vérifier. Donc, il y aura des informations supplémentaires qui devront nous être communiquées pour bien comprendre la distinction. Page suivante. Le directeur coordonne l'élaboration, la réalisation et l'évaluation du projet éducatif du centre et le transmet à la commission scolaire qui le rend public. C'est la même règle que nous avons vu tantôt au niveau des écoles. Le directeur du centre dépose aux séances du conseil d'établissement tout document provenant de la commission scolaire à l'intention du conseil. Alors, je vous réfère toujours à l'importance des règles de régie interne qui devront prévoir dans le délai pour la transmission, sinon c'est le délai de 5 jours. Finalement, le ministre peut établir la liste des spécialités. Dans votre texte, vous avez spécificité. Alors, il faut lire spécialité professionnelle en visant notamment l'adéquation entre la formation offerte et les besoins régionaux ou nationaux
de main-d'œuvre. Alors, en supposant que les projets éducatifs des centres de FP sauront influencer le ministre dans sa liste. On va arrêter quelques minutes ici pour répondre à des questions. Hein, on va briser le rythme un peu. On a des participants très actifs, très, très actifs. On a reçu plusieurs questions. On va tenter d'y répondre rapidement. Alors, un participant demande, est-ce que les experts qui sont dans les comités peuvent être rémunérés? Il n'y a absolument rien dans la loi qui l'indique. Si c'est le cas, ça devrait être précisé par règlement, comme les jetons de présence vont l'être, comme toutes les indications sur la rémunération. Moi, je réponds, si on veut me contredire à ma droite, on va le faire sans problème. Alors, est-ce que les personnes qui vont provenir de la communauté, est-ce que ce sont eux qui soumettent leur candidature? Je réponds à ça, revenez à l'exposé du début, c'est le secrétaire général qui consulte les parents des enfants de 18 ans là, du territoire pour convenir du mode d'élection. Alors, s'il y a 15 % de plus, il y a élection. Autrement, c'est les catégories. Alors, je vous réfère dans ces articles-là pour voir là s'ils soumettent leur candidature. Si ce sont les quatre catégories, moi, je pense que là, ils vont soumettre. Il va y avoir un processus, pour dire, un appel de candidature oui. par catégorie. Alors là, il y a un petit éditorial de quelqu'un qui dit, voilà, le gouvernement crée un nouveau palier de gestion des écoles. Alors, je ne fais que lire. On dit pour les comités, exemple, la répartition des ressources, ils ont des responsabilités. Le comité est-il imputable? S'il est imputable, il est imputable auprès de qui? Alors, c'est toute la question, hein, à partir du moment où on n'a plus d'élus hein, qui font rapport à leur électeur, ben moi, je dirais imputable au conseil scolaire jusqu'à un certain point, ou à leur association qui les a nommés. Là, parce qu'ils sont nommés par collège électoral jusqu'à un certain point. Je ne sais pas, Maître Guimond, si vous voulez aller plus loin. J'aurais tendance à dire qu'ils sont redevables auprès du conseil scolaire. Conseil scolaire. Alors, on verra là, à interpréter peut-être plus longuement cette façon-là, cette question-là. Mais c'est sûr qu'on peut imaginer que deux directions d'établissement qui ont été déléguées par leur association et rapidement, les directions d'établissement se rendent compte que, bon, ils se servent plus tôt, puis bon, ça ne va pas bien. Ils vont avoir une reddition de compte à faire auprès de leur père. Si vous permettez, Mme Gagnon, oui. Il ne faut pas oublier que ces comités, c'est-à-dire que sur ces comités, siégeront également des membres du conseil scolaire. Voilà. Alors, il y a quand même des représentants du conseil scolaire qui siégeront au sein de ces comités. Alors, la dernière question pour le moment. La gestion du directeur d'école, est-ce en lien, quand j'imagine là, la question de l'évaluation, avec le CA ou son travail de directeur de tous les jours? Alors, c'est ce que M. Guimond a dit tantôt. Là. Alors, si je m'ai mal exprimé, en ce qui me concerne, c'est directement en lien avec le conseil d'établissement. Alors, le directeur de l'école doit assister le CA. Si le CA considère que le directeur de l'école ne l'assiste pas suffisamment, c'est sur cet élément-là que sa prestation de travail sera évaluée par le conseil d'établissement. Alors, je vous signale à tous et à toutes que nous recevons, on est en direct, hein? On reçoit les questions directement. Alors, parfois, si vous, pour toutes sortes de raisons, la réponse n'est pas complète, alors vous n'hésiterez pas à nous faire des commentaires. Nous sommes maintenant au point des outils de reddition de compte. Alors, mais juste avant, je vous dis, comme l'heure passe, on a dit 1h30 en tout, mais on intègre les questions, alors je pense qu'il ne faut pas être inquiet, on va se rendre au bout de la présentation. Alors, on a fait un tableau très, très synthétique sur les outils de reddition de compte. Écoutez, il n'y a personne qui va se plaindre, là, ici au Québec, dans l'éducation, et nous, on a salué déjà cette chose-là, d'avoir diminué les outils de reddition de compte. Il y avait un problème important là-dedans. Alors, au niveau de la commission scolaire, le plan stratégique, le rapport annuel et la convention de partenariat se retrouvent, plan stratégique et convention de partenariat se retrouvent dans un plan d'engagement vers la réussite et le rapport annuel est maintenu. Au niveau de l'école, le projet éducatif est maintenu, mais il y aura beaucoup plus de choses qui vont rentrer parce qu'il n'y a plus de plan de réussite et il n'y a plus de convention de gestion et de réussite. Donc, le projet éducatif devient l'outil, dans le fond, de planification et l'outil qui va servir à l'information qui demeure, là, qui doit être mise, là, être diffusée auprès de la population qu'il dessert.
Au niveau des centres, on l'a dit tantôt, les orientations et objectifs visant la réussite des élèves, ça se traduit par un projet éducatif. Les centres auront dorénavant un projet éducatif et il y a toujours l'obligation d'informer annuellement le milieu que l'on dessert. Quand est-ce que tout ça va se passer? Alors ici, on peut, ce qui est indiqué dans le projet de loi, c'est que seront prolongés jusqu'au 30 juin 2017, évidemment, parce que là, il faut mettre en place en novembre toutes ces instances. Alors, le plan stratégique, la convention de partenariat, la convention de gestion et de réussite, projet éducatif et plan de réussite, là, seront prolongés jusqu'au 30 juin 2017. Maintenant, au niveau de la modification des territoires, les fusions. Alors, à la demande d'une commission scolaire ou de sa propre initiative, après consultation des commissions scolaires intéressées, le gouvernement peut par décret apporter toute modification au territoire des commissions scolaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours le gouvernement qui peut procéder des modifications et ça se fait par décret. Actuellement, dans la loi sur l'instruction publique, aux articles 116 et suivants, on parle de fusion, d'annexion, de réunion, de division de territoire. Alors, ce qui est proposé dans le projet de loi, ce sont des modifications de territoire. Donc, ça m'apparaît simplifié comme processus. Donc, c'est toujours le gouvernement par décret. Le ministre peut, par règlement, établir un régime transitoire applicable aux commissions scolaires visées par des modifications de territoire. Alors, il s'agit d'un pouvoir sont coupés, que le ministre sont activés. S'attribue. Actuellement, c'est-à-dire en 98, lors de l'implantation des commissions scolaires linguistiques, c'est la loi sur l'instruction publique qui avait été modifiée de façon à prévoir un régime transitoire pour les linguistiques. Régime qui a été enlevé de la loi. De sorte que maintenant, si jamais le gouvernement procède à des modifications importantes de territoire, il va falloir prévoir un régime transitoire et ça ne sera pas prévu dans la loi, c'est le ministre qui pourrait l'établir. Le ministre statue également sur tout différent opposant les commissions scolaires lors de la période de transition précédant l'entrée en vigueur des modifications territoriales, sauf sur les différents relatifs à la répartition et au transfert de salariés. Actuellement, le ministre peut statuer sur un différent, mais ça ne vise que certaines modifications de territoire avec ce qui est proposé, ce serait applicable à toute situation. Alors, ce sont les principales modifications au niveau des modifications de territoire. Concernant le directeur général, alors pour le directeur général en poste, le contrat ou le mandat d'un directeur général en poste se poursuit, qu'il soit à durée déterminé ou à durée indéterminée, et ce, jusqu'à son expiration. Un directeur général ayant fait l'objet d'un congédiement ou d'une résiliation de mandat par le Conseil des commissaires entre le 4 décembre 2015, dépôt du projet de loi, est réputé avoir fait, après le 4 décembre 2015, pardonnez-moi, est réputé avoir fait l'objet d'une suspension avec traitement. Alors, j'en ai parlé un peu précédemment. Donc, ce congédiement ou cette résiliation est présumé être une suspension avec traitement qui doit être évaluée par le conseil scolaire provisoire au plus tard 30 jours suivant sa mise en place. Page suivante. Concernant le nouveau directeur général. Alors, le contrat ou le mandat d'un directeur général engagé par le conseil des commissaires après le 4 décembre 2015, en remplacement d'un directeur général congédié ou dont le mandat résilié, et là, je vous réfère à la suspension avec traitement, la présomption, se termine le 15 jours après la sanction de la loi. Donc, ça ne vise que les situations où un conseil des commissaires aurait nommé un directeur général après le 4 décembre 2015. Auquel cas, donc, le contrat de ce directeur général prend fin 15 jours après la sanction de la loi. La nomination d'un nouveau directeur général est donc pour une durée déterminée, sera donc pour une durée déterminée fixée par règlement du ministre. Dans le projet de loi, le règlement fixant les conditions d'emploi des hors-cadres, des directeurs généraux, a été modifié de façon à prévoir que la durée du contrat sera d'une durée maximale, durée déterminée,
maximale de 5 ans. Page suivante, évaluation du directeur général. Chaque année, le comité des ressources humaines, comme l'a mentionné Mme Gagnon, procède à l'évaluation du directeur général. Cette évaluation est transmise au directeur général, au conseil scolaire et au ministre. L'évaluation doit notamment porter sur la gestion des ressources financières de la commission scolaire, sur sa fonction d'assister le rôle, d'assurer le rôle, le respect des rôles et responsabilités de chacun, et sur la réalisation du plan d'engagement vers la réussite. Une résolution visant le renouvellement, le non-renouvellement, la suspension, le congédiement ou la résiliation de son mandat est transmise au ministre. Pourquoi transmise au ministre? Parce qu'on nous le verra au niveau des pouvoirs du ministre. Le ministre peut intervenir pour sursoir à la décision prise par le conseil scolaire. Page suivante, nouvelle responsabilité. C'est le directeur général qui va voir au bon fonctionnement de la commission scolaire à compter du 1er novembre 2016, notamment en s'assurant du respect des rôles et responsabilités de chacun. Le directeur général devra rendre compte de sa gestion au conseil scolaire et sur demande au ministre, parce qu'encore une fois, le ministre se propose d'obtenir des pouvoirs en vertu du projet de loi qui lui permettrait d'intervenir d'intervenir et de remplacer temporairement le directeur général. Nous le verrons un peu plus loin. Le directeur général, finalement, doit, s'il est d'avis que le maintien de l'équilibre budgétaire de la commission scolaire ou le respect des conditions et modalités déterminées par le ministre en application de l'article 279, budget déficitaire, en informer sans délai le conseil des scolaires ainsi que les ministres. Parce qu'encore une fois, le ministre pourrait remplacer temporairement le DG ou encore suspendre les pouvoirs d'un conseil scolaire. Alors, avant d'aborder la dernière partie, qui est peut-être une partie assez, on a voulu ramasser le plus possible les pouvoirs que se donne le ministre, il y a un certain nombre de questions encore qui sont entrées, puis ça va nous permettre de répondre presque à toutes les questions jusqu'à maintenant. Alors, on avait reçu, là, des derniers jours, parce que c'est déjà passé dans la présentation, c'est pour ça que je les mentionne. Quel sera le futur rôle de la présidence? Alors, vous avez bien compris que pour le moment, il n'y a pas de rôle de la présidence dans le projet de loi, ne serait-ce que, on le déduit, hein, il est induit dans un rôle de président, d'animer les rencontres du conseil scolaire et de maintenir l'ordre. Alors, il n'y a pas d'autre rôle du président là, de nommer dans la présente loi. Quelqu'un demande, est-ce que les politiques actuelles des commissions scolaires seront remises en question, modifiées ou annulées lors de la transition d'organisation? Notre réponse, nous, c'est non, parce qu'on parle de gouvernance beaucoup plus en termes de changement majeur. Parce que quand on parle de gouvernance, on parle aussi de comités qui sont mis en place. La gouvernance, c'est large et on n'est pas dans un processus de fusion ou d'intégration. Donc, on n'a pas, quant à nous, les politiques actuelles sont maintenues jusqu'au moment où le nouveau conseil scolaire voudra les modifier. Alors, pour nous, ça, c'est assez clair. Il y a une question sur la taxe qu'on appelle la taxe des neutres. Hein? Ça, c'est la taxe des commerces et on dit, est-ce que ça change quoi que ce soit? Non, le chapitre de la taxe n'est presque pas modifié. Tout ce qu'on dit on dit que ce n'est plus possible d'aller par référendum augmenter le plafond de la taxe. On ne peut plus là, dire que pour une raison, on a rarement utilisé cet article-là dans le réseau, mais ce n'est plus possible de le faire. Alors, on a eu l'impression dans la sortie du projet de loi qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à terminer là, le chapitre de la taxe, donc il n'y a pas d'autre chose. Il y a une citoyenne qui participe. Oui, je vais juste. OK, vas-y, Alain. Sur la taxe. Ce que je pourrais ajouter, c'est que pour ceux qui connaissent un peu la taxe, dans la loi sur l'instruction publique, les articles 304 à 307, on nous dit que le propriétaire d'un immeuble paye ses taxes, premièrement, à la commission scolaire que fréquentent ses enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il paye ses taxes à la commission scolaire sur la liste électorale de qui il apparaît. Ça a été enlevé. L'article 305 a été abrogé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'élection scolaire au suffrage universel, il n'y a plus de liste électorale. Donc, la deuxième catégorie, celle de 305, a été enlevée.
C'est la seule modification d'importance qui a été apportée au régime de taxes dans la LIP. Une participante au web après-midi nous dit « Moi, comme citoyenne sans enfant à l'école, le projet de loi devient-il taxation sans représentation, hein, », l'expression anglophone. Alors, c'est un accroc à la démocratie. Alors, évidemment que il y a plusieurs partagent votre opinion, madame, parce qu'on dit citoyenne. J'imagine que le ministre va donner des indications sur cette question-là. Comment va-t-il agir pour la taxation? Va-t-il déléguer des pouvoirs vers les conseils scolaires? Ce sont toutes des réponses sans question et ce n'est pas présent dans la loi. L'avant-dernière question, le pourcentage fixé par le règlement par le ministre pour les élections est-il basé sur les parents qui répondent au sondage ou l'ensemble des parents? Ce que dit la loi, c'est que le secrétaire général consulte les parents d'élèves jusqu'à 18 ans là, des établissements. Et s'il obtient 15 %, si c'est ça son pourcentage par règlement, si c'est 15 %, dès qu'il aura obtenu 15 %, il y aura élection auprès de par suffrage universel. Et quelqu'un dit, s'il n'y a plus de convention de gestion, est-ce qu'on comprend que l'école est maintenant autonome et n'a pas à convenir de ses priorités? C'est pas ce qu'on comprend, parce qu'il y a encore un plan d'engagement vers la réussite qui remplace et un projet éducatif. Et l'école doit tenir compte du plan d'engagement de la réussite du conseil scolaire. Alors, je continue avec le dernier chapitre. Je garderai les dernières questions pour la fin. Alors, le dernier chapitre, ce sont les pouvoirs. C'est certain qu'une troisième, quatrième, cinquième lecture nous amènera sûrement vers d'autres pouvoirs qu'on découvrira, mais il y en a un certain nombre. Sur les regroupements de services, les commissions scolaires, c'est un pouvoir du ministre, doivent favoriser le partage de ressources et de services entre elles ou avec d'autres organismes publics, dont les municipalités, hein, c'est nommé « dont les municipalités », ou des établissements d'enseignement régis par la loi sur l'enseignement privé, lorsque cela permet, dans le cadre de la mission, de répondre à des besoins d'efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles. Ici, on a vraiment un nouveau pouvoir, et le ministre va dire d'autres choses plus loin. On continue. Le ministre peut identifier des commissions scolaires. Alors, la commission scolaire doit favoriser les regroupements. Si ça ne bouge pas, admettons là, que c'est difficile et ça paraît, c'est toujours très complexe de toute façon cette question-là, le ministre peut lui-même identifier des commissions scolaires afin qu'elles produisent une analyse visant à évaluer les possibilités de partage de ressources et de services avec d'autres commissions scolaires. Alors, le ministre peut imposer cette analyse-là. Le ministre peut, à la suite de cette analyse, faire des recommandations ou exiger que des mesures favorisant le partage de ressources soient mises en œuvre. Alors, voilà un gros pouvoir que le ministre s'est donné sur les regroupements de services. Il s'est donné aussi un pouvoir de directive sur les règles budgétaires. Tout le monde va se souvenir dans le réseau de le fameux dossier là, de l'aide aux devoirs, où on est allé jusqu'à une motion de l'Assemblée nationale l'année passée pour exiger que les commissions scolaires remettent l'argent à l'aide aux devoirs. Alors là, le ministre a souvent dit, M. Bolduc l'avait dit aussi avant, le ministre n'a pas de pouvoir. Alors là, il s'est donné un pouvoir de directive à une commission scolaire portant sur l'administration, l'organisation, le fonctionnement ou les actions de celle-ci. Ces directives peuvent en outre avoir pour effet de compléter ou de préciser les règles budgétaires en cours d'année. Alors, c'est très, très, très majeur comme pouvoir. Ça nous laisse à croire que le ministre pourrait, en cours d'année, pour toutes sortes de raisons, avec des pressions populaires ou peu importe, décider de modifier des règles budgétaires et d'exiger que l'argent s'en aille à un endroit plutôt qu'à un autre. Ces directives doivent être soumises, évidemment, au gouvernement pour approbation. Une fois approuvée, elle lit la commission scolaire. Quand on dit au gouvernement, on s'imagine bien que c'est au Conseil du Trésor qui représente le gouvernement pour les règles budgétaires. C'est eux qui adoptent les règles budgétaires. De telles directives doivent être déposées ensuite à l'Assemblée nationale dans les 30 jours pour leur approbation et elles deviennent là obligatoires pour tout le monde. On continue. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prescrire que certaines mesures budgétaires sont destinées à un transfert vers le budget des établissements d'enseignement. Alors là, on voit arriver peut-être
si on interprète ici, dans les règles budgétaires, certaines enveloppes qui pourront être directement décentralisées vers les établissements. Alors, c'est ce qu'on déduit de cet article-là, maintenant on verra, au moment des règles budgétaires. Le directeur général doit, s'il est d'avis que le maintien de l'équilibre budgétaire de la commission scolaire ou le respect des conditions et modalités déterminées par le ministre en application de l'article 279, informer sans délai le conseil des commissaires, le conseil scolaire et le ministre. Alors, je vais dire en blague, le DG devient un délateur. Faut qu'il fasse rapport au ministre directement. C'est une blague. Le ministre élabore un guide relatif aux pratiques de gestion décentralisée à l'intention des commissions scolaires et en assure la diffusion. Alors, on voit bien là que ça devient vraiment une orientation gouvernementale, la décentralisation. Le ministre peut nommer, ici c'est le conseil des commissaires, conseil provisoire et conseil scolaire, le ministre peut nommer tout membre manquant s'il n'est pas possible de pourvoir tous les postes et le directeur général en avise sans délai le ministre. Le ministre peut procéder aux nominations requises pour permettre l'atteinte du quorum au conseil scolaire. Le ministre peut suspendre tout ou en partie des fonctions ou des pouvoirs d'un conseil des commissaires ou d'un conseil scolaire provisoire. Alors, c'est maintenant, là, à partir du moment où la loi est déposée, afin de permettre le bon fonctionnement d'une commission scolaire jusqu'à l'entrée en fonction du premier conseil scolaire. Alors, il a vraiment attaché une procédure si jamais l'adoption de la loi retardait pour toutes sortes de raisons et on se retrouvait dans le processus des plans d'effectifs, dans le processus qui sont à nos portes, c'est déjà commencé, et dans un processus budgétaire, alors le ministre là s'assure que les choses vont se faire dans le sens qu'il le souhaite. Le ministre, toujours dans les activités de la commission scolaire, le ministre peut par règlement prévoir et encadrer la réalisation d'activités d'information et de prévention liées à des questions de sécurité en milieu scolaire. Il peut également par règlement prescrire ou circonscrire l'application par les autorités scolaires de certaines mesures relatives à la sécurité du milieu. Il peut en outre, à la réception d'un plan d'engagement vers la réussite, hein, ce qui remplace, rappelez-vous, le plan stratégique et la convention de partenariat. Alors, à la réception du plan d'engagement, il peut lui demander au conseil scolaire d'en différer la publication ou de procéder à des modifications. Je poursuis. Le ministre peut, pendant ou après la tenue d'une vérification ou d'une enquête, recommander ou ordonner à une commission scolaire ou au comité de gestion de la taxe de se soumettre à des mesures de surveillance ou d'accompagnement ou d'appliquer des mesures correctrices qu'il indique. Alors, sur le directeur général, tantôt on a abordé un peu la question, le ministre peut sursoir à l'exécution d'une résolution visant le renouvellement, le non-renouvellement, la suspension, le congédiement ou la résiliation d'un mandat d'un directeur général et la soumettre à l'analyse d'un comité d'experts formé de deux personnes, dont un ancien directeur général. Alors, c'est très, 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 très précis. Le ministre peut annuler le renouvellement d'un directeur général ou annuler sa suspension. Le ministre peut, s'il estime que le directeur général d'une commission scolaire pose des gestes incompatibles avec les règles de cette gestion, nommer une ou plusieurs personnes pour le remplacer pour une période d'au plus 180 jours, c'est une année scolaire. Afin de permettre le bon fonctionnement d'une commission scolaire jusqu'à l'entrée en fonction du premier conseil scolaire, le ministre peut suspendre tout ou en partie des fonctions, des pouvoirs d'un conseil des commissaires ou d'un conseil scolaire provisoire jusqu'à l'entrée en fonction du premier conseil scolaire et désigner le directeur général pour assumer ses fonctions. Le directeur général peut annuler toute décision prise par le conseil des commissaires ou le conseil scolaire provisoire en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus. Alors, il va sans dire que ce sont des pouvoirs qui sont assez énormes, sont assez importants. Nous sommes à la fin maintenant de notre présentation. On a encore quelques minutes, on a encore des personnes en ligne, j'imagine plusieurs personnes. Alors, on poursuit peut-être en essayant de répondre à des questions.
Pouvez-vous élaborer sur la durée du mandat du DG de 5 ans? La durée de... Ça devient un contrat déterminé, hein? Moi, c'est la seule d'une chose durée que... maximale de 5 ans. C'est ça. Jusqu'à maintenant, les DG qui sont en ligne le savent bien. Jusqu'à maintenant, les contrats des DG étaient soit une durée déterminée ou indéterminée. C'est la commission scolaire qui adoptait le contrat du DG, parfois par délégation au président. Alors là, ici, on dit vraiment que la durée du mandat du DG est maintenant 5 ans. Alors, c'est le ministre, là... D'une durée maximale. Maximale de 5 ans. Est-ce que ça peut être renouvelé par la suite? Probablement. Mais c'est une durée maximale de 5 ans. Qui fait partie du comité des ressources humaines? Ben, ce sera le conseil scolaire qui en décidera. Hein? Le conseil scolaire, c'est lui qui forme les comités. Il pourra, comme on le disait tantôt, même si ce n'est pas indiqué dans la loi, ce n'est pas non plus interdit, dire que le directeur des ressources humaines pourrait y siéger comme observateur. Il n'est pas membre. Observateur. Comme conseiller. Hein? Mais ça n'empêchera pas qu'ils devront s'abjoindre quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas un employé de la commission scolaire. Dans la mission, on retrouve développement spirituel. L'école ne serait plus laïque. C'était le même. Moi, je pense que c'est exactement le même libellé. Développement spirituel. Ça n'apporte pas le développement de valeurs catholiques ou religieuses. Là. Je pense que la loi n'a pas changé là-dessus. L'article 195, les plans seront prolongés jusqu'au... OK, les plans stratégiques et tout, là, jusqu'au 30 juin 2017. Cependant, à l'article 196, on précise que le premier projet éducatif doit prendre effet au plus tard, le 1er juillet 2018. Non, 30 juin 2017. Vous avez donc, ça va s'en venir jusqu'au 30 juin 2017, 1er juillet 2017. Hein? Donc, on a une année pour mettre en place, c'est ce que je comprends, pour faire prendre effet le premier projet éducatif, qui va prendre effet 1er juillet 2018, oui. L'année suivante. Oui. Hein? C'est bien ça. Je pense, s'il n'y a plus de convention, on l'a répondu. Je pense qu'on a beaucoup, on a plusieurs questions qui sont répondues, presque la totalité. À mon avis, relancez-nous. Il reste 10 minutes selon l'horaire qu'on avait prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nous soumettre ici? Ou bien j'y vais dans la conclusion. Je vais aller dans la conclusion. Si on m'indique des questions entre-temps, je le ferai. Alors, je vous rappelle donc que un sondage électronique vous sera acheminé pour que vous nous donniez votre appréciation de ce webinaire. C'est une première pour nous. On vous invite à répondre en grand nombre pour voir si pour nous, là, c'est important de maintenir cette façon de faire. On vous dit aussi que s'il y a des gens, des participants qui sont membres du barreau, vous pouvez demander, communiquer avec nous pour avoir des attestations de participation là, pour les membres du barreau. C'est possible de le faire. D'autres formations seront offertes par webinaire ou autrement. On essaiera probablement de faire des tranches de ce projet de loi-là par son évolution là, et son interprétation. Alors, je vous invite à surveiller ces autres formations. Enfin, on vous rappelle que la présentation avec la correction, là, on a vu une coquille, il pourrait en avoir d'autres, seront faites et dans lesquelles les prochains jours, nous la rendrons disponible. De même que l'enregistrement, là, l'enregistrement du webinaire qui sera accessible sur la chaîne YouTube de la FEDE. Alors, écoutez, oui, ça c'est répondu le DG pour pardon. Alors, il me reste à vous remercier, à vous dire que pour nous, c'était vraiment une expérience nouvelle. Mais avant de conclure vraiment, je vous dirais que les prochaines étapes pour nous, c'est la présentation en commission parlementaire après avoir fait adopter notre mémoire auprès de nos instances. Nous, si rien ne bouge, parce que l'horaire de la commission parlementaire bouge à tous les jours, nous serons en commission parlementaire, Mme Bouchard et moi, le 23 février à 16h15. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires à nous faire, ça va nous faire
plaisir. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je ne sais pas si vous avez tous été et toutes très attentifs, on le suppose, par les questions. Je veux remercier l'équipe technique qui est devant et derrière les écrans. Alors, ici à la FEDE, là, on avait avec nous le directeur des coms, François Grenon, Catherine Roy, conseillère, et Nathalie Masse, technicienne. Merci à vous. Si ça a fonctionné, c'est grâce à vous. Alors, je remercie Maître Guimont et je vous dis possiblement à la prochaine. Merci de votre attention. Au revoir. Merci.